Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième vidéo-blog. Cette fois-ci, on est en direct des studios de production de Québec 800. Ah oui, c'est pittoresque comme environnement. D'ailleurs, j'ai mon copain Hugo que vous entendrez certainement au cours de ce vidéo-blog qui est juste là. Je vais vous parler de quelques éléments aujourd'hui. Tout d'abord, David Lemieux. C'est bizarre, on l'a en onde en ce moment dans le show de la mi-temps. Je pense qu'on peut même l'entendre si Hugo est capable de monter le son ou de baisser. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. David Lemieux se battait vendredi soir dernier au Centre Bell. Et encore une fois, ça a été très, très, très convaincant comme performance. Honnêtement, surveillez-le, ce gars-là. C'est la future superstar de la boxe. Puis pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais bien à l'échelle mondiale. Ça, je vous le garantis. Même qu'à l'issue du combat, Yvon Michel a dit on peut prendre n'importe qui à 160 ou à 168 livres. 168, ça veut dire Lucien Bouté, je veux juste vous le rappeler. Écoute, ça donnerait un grand combat entre les deux, mais il est trop tôt pour voir ça. Je pense que ça va venir, mais dans un avenir un petit peu plus éloigné, un peu comme le combat avec Jean-Pascal pour Lucien Bouté. Disons que Jim est en voiture avec ses deux chevaux actuellement, Jean-Pascal et David Lemieux. Autre nouvelle du monde de la boxe, Kelly Pavlik, qui était supposé se battre cette fin de semaine au Cowboy Stadium en demi-finale du combat Pacquiao contre Margarito, eh bien, a déclaré forfait. Ce que ça implique, c'est que Lucien Bouté, qui devait logiquement affronter Kelly Pavlik au mois peut-être de mars prochain, s'est compromis un peu. C'est décevant parce que c'était une grosse carte en fin de semaine au Cowboy Stadium. J'ai pas encore réussi à trouver qu'est-ce qu'on avait trouvé pour remplacer ce combat-là. Assurément que ça va être une bonne carte, certainement, ne serait-ce que pour le combat principal. C'est décevant de voir que Kelly Pavlik n'est pas en mesure de participer à cette carte-là. En terminant, je vous parle de football universitaire. Ce matin, on a débuté l'enregistrement d'une série de 4 émissions qui seront diffusées sur le web, mais aussi en ondes à Québec 800, évidemment. 4 émissions qui s'intitulent « En route vers la Coupe Vanier ». De quoi on parle là-dedans? Mais tout d'abord, on fait un tour d'actualité de tout ce qui se passe dans le monde du football au Canada. Ensuite, on parle à Matt Leblanc qui se met dans la peau d'un joueur. Lui, il l'a déjà été. Il sait comment ça s'est passé. Il nous décrit chacune des étapes, semaine en semaine, pour en arriver à la Coupe Vanier comme ça. Coupe Vanier qui l'a déjà remporté en 2-3 occasions parce qu'il a été joueur par excellence en 2004, l'a remporté en 2006 et en 2008, t'as pas là, donc c'est 2 occasions. Et ensuite, on parle à Justin Etier qui, lui, nous fait un peu la rétrospective des conquêtes de la Coupe Vanier par le Rouge et Or. Donc en 99, 2003, 2004, 2006 et 2008, donc les 5 Coupes Vanier. On couvre ça avec Justin Etier. Donc cette émission-là est disponible sur Internet et en ondes. Il y a un contenu exclusif au web, cependant. Cette semaine, on a parlé à l'entraîneur des GGs d'Ottawa, Jean-Philippe Asselin, un gars de la région de Québec. Donc, au cours des prochaines heures, vous aurez ça sur le blog du Rouge et Or. Surveillez ça attentivement. C'est bien intéressant comme entrevue. Et parlant du Rouge et Or, aujourd'hui, on a reçu les nominations pour les joueurs du Rouge et Or qui ont été sélectionnés sur les différentes équipes d'étoiles au niveau québécois. Il y a 10 représentants du Rouge et Or qui font partie de tout ça. Et là, 11, on dit 11. Ah, à l'offensive, le Rouge et Or a placé Bruno Prudhomme comme quart arrière, Sébastien Lévesque comme demi-offensif, Julian Feoli, évidemment, comme receveur éloigné, le centre Pierre Lavertu et le garde Pascal Baillargeon. Pour ce qui est de la défensive, Arnaud Gascon-Nadon a été choisi, Maxime Bérubé et Olivier Turcotte-Létourneau ont été choisis. Et sur les unités spéciales, bon, c'est peut-être là qu'on voit un 11e, c'est Christopher Milo a été choisi pour les dégagements, mais aussi pour les bottés de précision. Donc, une grosse récolte, encore une fois. Je pense que c'est l'habitude du Rouge et Or d'avoir de bonnes récoltes lors des nominations pour les étoiles à l'échelle québécoise. Maintenant, reste à voir ce qui surviendra à l'échelle canadienne. On l'apprendra un peu plus tard lors du gala le banquet des étoiles qui aura lieu lors de la semaine de la Coupe Vanier présentée ici même à Québec. C'est le fun, Hugo a été assez calme de l'autre côté, il n'a pas dit trop de niaiseries, parce que vous savez que c'est au moins la 15e fois qu'on essaie d'enregistrer cette capsule-là et que Hugo se met un doigt dans le nez devant ma caméra ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas vrai, je le taquine un petit peu. On a beaucoup de plaisir à Québec 800, surtout quand Mario Hudon est ici. OK, on s'en parle plus tard.